Ça fait qu'il y a encore des pneus. Voilà. Allez, allez là okay, allez, s'il te plaît là. Maintenant tu sors allez, du lourd. Gogeta. Gogeta, allez. Oh, le oh la musique. Musique. La musique, la musique, la musique, la musique. C'est DBS, Broly DBS. Ouais, c'est Broly. Un Goku Vegeta Transfo, Gogeta. Un Goku Vegeta Transfo. Ça va être un Gogeta Transfo. Un Goku Gogeta. Un Goku Vegeta Fusion. Allez, ça va être un Ultra, non? Goku Vegeta, non. C'est ça? Oh, c'est. Oh là 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 là. Allez, là, c'est maintenant. Fusionner, fusionner là. Allez, ça va être un Goku Vegeta Fusion, je pense. Broly Free to Play. Broly, il est magnifique. Oh. Non, tu. Paragus! Paragus, ok. Oh, il est stylé, Broly, hein. Oh, je suis content là. Il est stylé. J'aime bien. Un Freezer. Oh. Et va y avoir un Saiyan, les gars. Va y avoir un Saiyan, c'est obligé avec les persos. Oh, bah, Gogeta, les gars, c'est sûr. C'est Gogeta. Gogeta, mais ouais, c'est ça. Non, ça va être ça. Allez. Allez, all in Gogeta. T'arrêtes pas là? Ce que on va invoquer, hein. Voilà, il est là. Ok. C'est lui du jeu, ça, actuellement. Ok, ok. On a déjà. Il faut monter la hype là. Ouais. Puissance, la puissance. Allez, allez. Oh, Broly, okay. Il manque. Et c'est Giblou. Allez, il manque Gogeta Blue là. Oh, it's insane. Allez, c'est parti. Ah, ça va être un ultra, non? Vous pensez pas que ça va être un ultra là? Ça peut être. Allez là! Okay. C'est bon, on a Gogeta Blue, ça on a compris. Déjà Blue. Okay, d'accord. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Puissance. Goku Vegeta Transfo, allez, ça va être ça. Gars. Incroyable. Ça va être... Allez là, la hype elle est folle. La fusion in game. Ouais, je pense, hein, je crois que ça, ouais. Allez là, maintenant. Pourquoi ça transfo sur impossible. Est-ce qu'ils vont impossible. Montrer à la fin oh. Allez. C'est ça, c'est ça. Let's go, c'est incroyable. C'est trop stylé. Tu peux switch avec les persos. Tu peux switch. Ah, c'est trop bon. Tu peux switch. Oh, elle est trop stylée. C'est un ultra payant, c'est un ultra payant. Tu peux switch avec les persos. Mais non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ça fusionne ou pas? Ok. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé. C'est trop stylé. Il va être LF. Est-ce que c'est LF même? Mais c'est mais l'ulti il est incroyable. Mais c'est quoi ce perso? Mais c'est un ultra les gars, c'est un ultra, non il est trop stylé. Mais c'est quoi ça? C'est un film. Mais c'est un film. Et c'est LF. LF, let's go. Ah, let's go. Oh là 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 là. Skip Trunks, les gars. Skip Trunks, casse-toi là. Trunks, tu dégages. Oh, mais les gars, mais c'est incroyable. Bonne journée, Trunks. Allez, ça dégage. Mais les gars, l'ulti c'est un film, il est trop long. Imaginez, il faut comme avec le premier anime et là. Et yo les gars, vous avez vu mes réactions sur ce Legend Festival que l'on vient de vivre ensemble sur la chaîne de Fitz. C'était incroyable, ça va rester marqué dans ma mémoire comme un moment fou de mon aventure gacha tout simplement. Et c'était trop bien, on a passé un méga, méga, méga live. Merci beaucoup à eux, merci le chat, vous étiez incroyable, c'était la folie. 98% de gens qui étaient ultra hype par ce qui arrive dans ce Legend Festival. Et on va aller voir ça ensemble, c'est juste complètement fou. Tout ce qui a été annoncé les gars, les aventures, les réponses, je vais tout oublier. Dans cette vidéo, c'est une vidéo réaction, j'ai plus de voix, je vais tout oublier. Ça va être trop bien, les portails normalement, en tout cas la célébration arrive demain. Je pense que les portails aussi normalement arrivent également demain. C'est important à prendre en compte tout de même que ça arrive demain. Mais voilà, je vous préviens, ça va être la folie. Donc on va vite fait revoir ça, de toute façon vous l'avez vu dans la réaction ici. Alors là, voilà, les premiers personnages qui nous ont été annoncés, les gars. Mai est là, directement, vous avez eu ma réaction, c'était genre... Non, on a compris, quoi. Le duo Goku Black, Zamasu également, qui avait teasé Fitz, enfin, qui avait prédit Fitz, pardon, c'est pas vraiment teasé. Et le personnage n'a pas l'air d'avoir du petit, et là, pour nous tous, et je vais le skip parce que c'était la déception, en vrai. Le Trunks, Ikari, LF, donc on s'en doutait, au final, on n'était pas si loin de ça, tout le monde. Des prédictions, Trunks, Ikari, LF. Qui va arriver, donc un nouveau personnage SSJ, un nouveau cheat code, j'en ai pas parlé, mais c'est là les gars, un nouveau personnage SSJ quand même, et un nouveau cheat code, donc je suis très content, mais malgré tout, on en voulait pas trop de cette Trunks Kari, enfin, c'est cool Trunks Kari, mais tout seul c'était pas possible, tout seul c'était clairement pas possible, et je trouve son modèle 3D, là, ce plan là, je vais essayer de le remettre, je le trouve pas beau,
Alors on verra sur in-game, mais ce plan-là, là, je le trouve pas beau. Ce plan-là, je le trouve pas beau du tout. Alors on verra in-game et tout, mais il y a des plans que je trouve vraiment pas jolis avec le personnage. Là, c'est joli. La fin du LF est quand même plutôt stylée ici. On voit que le Trunks qui transperce Zamasu et tout, c'est plutôt cool. Mais comment il... transpercer Fatbou, ça va être bizarre. Mais bon, bref, transpercer Trunkspot, je sais pas, il y a des trucs qui me paraissent un peu bizarres. Mais bref, malgré tout, c'était quand même stylé. Donc, coming soon, le Trunks, Ikari, on s'en doutait. Le personnage, on va voir sa couleur, mais je vous dis d'avance, c'est un métis Saiyan bleu, les gars. Il faut que je skip. Ok, donc là, on est à Mai. Donc, ça, c'est les gameplays, les gars. Les gameplays, vous les avez déjà vus. Pas besoin de les revoir plus, on va les revoir sur Twitter également en plus. Ça, c'est le LF qui est très long, on voit, parce que vu le nombre de temps que je skip. Ça, c'est Mai, donc Mai sera rouge, Kikoa. Je vais pas trop parler des kits, ça sera peut-être le moment d'en reparler plus tard dans la journée, les gars. Ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage qui est fait pour être allié avec Trunks, donc notamment Trunks LF, je pense. Ça peut être le Zenkai aussi de Mai, pourquoi pas Mai verte. Ça peut être quelque chose de faisable. Le Black Goku Zamasu sera vert de type défense, donc peut-être pour remplacer le Black Goku vert transo qu'on a déjà. C'est un perso de type défense, donc pendant les 30 premières secondes du combat, il aura quand même ne serait-ce que 60% de cover, donc c'est très sympathique. Il a David de plush plus 2 également, j'ai vu. Et le Trunks qui a l'air d'être très fort. Trunks, les gars, il a une deuxième barre de vie. Il a une. Enfin, comment on appelle ça, une espèce de deuxième barre de vie, pas un revive, mais une deuxième barre de vie qui va jusqu'à 30%, je crois, et qui ne peut pas être annulée. C'est-à-dire que l'entêtement ne marche pas. Vous ne pouvez pas enlever sa barre de vie, même avec Black Goku Rosé qui a l'entêtement constant. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc il aura tout le temps une résistance. C'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort et ça fait un métis Saiyan bleu. Même si les strikes, j'ai extrêmement peur pour ça. Par contre, je vous le dis direct. J'ai un peu peur de ça. Mais c'est vrai que pour sa jauge unique et tout, il faut qu'il y ait un ligne royale et un futur. Donc il n'a pas l'air d'être tourné métis Saiyan pour l'instant. On verra ça. Pourquoi pas. Et je crois qu'il nullifie le type aussi. J'ai cru voir, mais je suis pas sûr. Et voici ce qui nous arrive après. On a dit non, mais ça peut pas être que ça. Vous l'avez vu. Vous l'écoutez? Ah, il veut écouter. Broly. C'est trop stylé. Et là, c'est parti. Là, on a Vegeta, les gars. Vegeta, ça, on le connaît déjà. On a un nouveau Broly, vous le voyez ici, les gars. Un nouveau Broly Sparking. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. On va parler des portails après, c'est n'importe quoi. Vous avez Paragus qui arrive sur l'aspect, je crois, et sur la pose de victoire. Donc, c'est pas vraiment un perso duo. C'est vraiment, il arrive, mais c'est tout. Ça va être un Freezer EX. Donc, en vrai, pourquoi pas. Et là, on avait le Broly LF. Après, on a eu Gouris Tableau. On s'est dit, qu'est-ce qui peut arriver? Et là. Et là. La mécanique de Switch. Appréciez, je vous laisse apprécier DB Legends à son prime, tout simplement. J'en ai toujours rêvé de ça. Depuis que je lance le jeu, depuis le début, les gars, j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer un perso Switch. On s'est dit, imagine, t'as un Goku, tu peux switcher, vous avez vu? Il y avait le contre-type, il switch, plus de contre-type, il y a une barre de Switch. Fais-moi l'amour. Toshi, fais-moi l'amour, Toshi, tout simplement. Cover Strike. Il y en a qui a un cover strike et un qui a une cover Kikoa, j'ai l'impression. Il y a deux covers tout simplement. Il y a un qui a une cover. Mais c'est trop fort, tout simple. Mais je sais même pas à quel point je peux vous dire. C'est. Regarde ça. C'est le LF. J'ai pas les mots, je crois que c'est mon perso préféré d'un Dumbledore. Allez, c'est bon. J'arrête. On va aller voir le gameplay après. Il va être reposté là. Mais je crois que c'est mon perso préféré, les gars. C'est ça, c'est Broly. Et on va aller voir. Voilà. Donc je crois qu'on l'a vu ici. Voilà. Une cover Kikoa. Et tout à l'heure, on a vu la cover Strike. Donc le perso a une cover Kikoa, une cover Strike. Ça dépend avec quel perso vous êtes quand vous avez switché, tout simplement. Donc on va le voir ici. Hein, vous allez pouvoir switcher là. Tac. Le switch sur Vegeta. Le modèle 3D incroyable. Nouvelle animation Strike. On a les deux persos. La verte. L'aspect ici de Vegeta. Qui est une spé différente que celle de Goku. T'as double. En fait, t'as vraiment deux persos. Donc les deux persos sont ultra travaillés. Je sais pas si on va voir la verte de Goku ou on va aller directement l'outil. La verte de Goku, regardez. On n'a pas le plan où les cheveux ils passent au gris. Ça aurait été vraiment trop bien. Et là, c'est le film. Tout simplement, c'est le film ici. Hein. C'est clairement le film. Tout simplement. Et regardez la pose quand ils sont dos à dos. Et encore, on n'a pas les voix jap. C'est trop bien. Du coup, on sait ce que le perso va faire. Donc, Freezer, il est vert. On va pas aller en parler plus que ça, comme j'ai dit. Il y aura le temps d'en faire ça dans une vidéo, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Il va être violet, le perso. Regardez bien ce qu'il va faire. Écoutez bien ça. Le perso, les gars, il peut, en fonction des switches, changer
les éléments, changer les types en fait. Il va pas changer de type, mais si vous êtes par exemple, vous avez pas le bon type face à un verre, je sais pas, vous allez switcher, vous aurez le bon type. Enfin bref, j'ai pas trop compris encore ce truc, mais qui me paraît juste trop fort. Il a un entêtement, il a pas d'ulti perso, il a que des spé, mais quand on voit la beauté du perso, je pense qu'il a pas besoin d'ulti. Alors attendez, on va essayer de voir peut-être un peu plus, mais c'est vraiment une nouvelle mécanique, c'est-à-dire que ça y est, ils ont intégré une nouvelle mécanique dans Dragon Ball Legends. On a eu des mises à jour incroyables, folles, et maintenant ils ont dit, bah vas-y, on finit en apothéose, on met un perso qui a une mécanique qui n'existe pas. C'est incroyable, franchement c'est juste trop bien. Et je sais pas si on va voir les sous-titres ici. Je sais pas, je l'ai peut-être déjà passé. Je crois que c'est là, ouais. En fait, tout simplement, ça me fait rire parce que voilà, regardez, c'est marqué ici, le taux d'apparition pour la rareté Sparking est triplé. C'est-à-dire que tous les Sparking du jeu seront triplés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10%, il le dit après, tu n'as plus 10% de Sparking, tu as 30% de Sparking. J'ai jamais vu ça sur un gacha. Voilà, tout simplement, vous en faites ce que vous voulez, il y a une douille, c'est pas possible, il y a une douille, c'est pas possible, les gars. C'est incroyable. 10%, on passe à 30% de Sparking, et en plus de ça, je sais pas si on va le voir, et s'il l'a déjà dit peut-être, mais les gars, au lieu d'avoir 600 PZ sur un personnage, vous savez, donc vous l'avez 2 étoiles, vous l'avez directement, alors je sais pas, est-ce que c'est là que la première fois, est-ce que c'est là tout le temps, on le sait pas, t'as 1800 pouvoir Z, donc t'as le personnage directement 4 étoiles. Tu invoques, t'as le perso 4 étoiles. Voilà, tout simplement, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est... J'ai même pas les mots, j'ai vraiment même pas les mots pour ça, je peux même pas expliquer à quel point c'est trop stylé. C'est trop stylé, on a également l'annonce de Broly Chile Sparking Zenkai. Voilà, Broly Chile va obtenir son Zenkai, donc pourquoi pas, en vrai, à voir. On sait que les Zenkai maintenant sont équilibrés, donc je m'enflamme pas trop sur ça. On aura la musique bizarre qui sera disponible dans les invocations, on s'en doutait, et il y a également ça. Faut bien que je le montre. On a un nouveau personnage free-to-play, les gars. Il était très demandé après Vegeta Sab. C'est Goku Sab. Je pense que ça doit être réfléchi depuis très longtemps ce qu'ils vont faire. Et après, on a eu le petit moment où ils nous ont dit le petit genre, allez, on vous dit au revoir et on s'en doutait. Un petit one more thing qui est arrivé, je pense, un petit peu à la fin. Toujours pas? Je l'ai déjà passé? Ok, je pense que je l'ai déjà passé. Voilà. On a eu le one more thing ici, donc là on s'est dit, non mais encore un nouveau perso, c'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà, ils ont annoncé, ils ont teasé, c'est pour montrer l'importance quand je vous dis qu'il y avait un personnage extrêmement attendu du Zenkai. C'était pas Broly Chilai, on l'avait tous dit, c'est Super Vegeto, alors c'était pas annoncé, mais c'était cramé. C'est cramé, donc Super Vegeto va obtenir son Zenkai, et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo, elle est déjà extrêmement longue. Merci à tous d'avoir fait partie de cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et me dire ce que vous en pensez des Legends Instant Prime. On vit notre meilleure vie. C'est incroyable, 30% de Sparking, bref, j'ai même pas de mots. Merci à vous d'avoir été présents, on se dit à très vite, ciao.